Hello mes petits choux, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle série de vlogs. On part en croisière avec Baby Chou à bord du MSC Grandiosa, un énorme bateau. C'était vraiment dingue. Donc là on part de Barcelone, ensuite on fera un jour en mer et ensuite on arrivera en Tunisie à La Goulette. Ensuite on fera Palerme en Sicile, Naples en Italie et Livourne en Italie, pas loin de Pise, et Marseille et retour à Barcelone. Donc voilà, j'espère que cette série de vlogs va vous plaire. On vous emmène avec nous en immersion avec un bébé de 1 an, voir comment ça se passe, si c'était de vraies vacances, ce qu'on a mangé, les activités qu'on a fait, tout ce qui est compris dans la croisière. On vous montre tout, on teste à fond et on vous dira à la fin, on s'expliquera ce qu'on a fait, tout ça. Donc n'hésitez pas à regarder, je vous laisse avec un petit aperçu de tout ce qui vous attend. Hello mes petits choux! Aujourd'hui on vous retrouve pour un nouveau vlog, toujours en croisière. Ce matin on est arrivé à Naples, en Italie. Je vous mets sur la carte. Je vais vous montrer là à l'extérieur. Et voici Naples. Bonjour Baby Chou. Comment ça va? Il est préparé à partir. C'est le seul moyen qu'il reste tranquille, c'est qu'on le met dedans. Ouais, on part, il a dit on part. Alors du coup, on a préparé nos affaires comme d'habitude. Bonjour. Salut. Regardez Bibichou, il a fait quoi? Il a mis du gâteau partout. Oh là là. Et voilà mon petit outfit of the day. Petite robe, très sympa. On va aller au petit déjeuner. Et là, les petits choux, c'est Mémé. Et Mémé Chou qui est connecté. Ah, il n'y a pas l'air d'avoir trop de monde aujourd'hui. Il y a plein de gens qui sont descendus sûrement. Peut-être qu'il y en a, ils sont partis pour un petit déjeuner. Il y en a, ils sont déjà partis en excursion. À 6h du matin, tu sais. Petit déjeuner. Les gars, regardez, devant, il y a un autre bateau. C'est le Odyssey of the Sea. Ce sera le prochain. Ah, c'est les Royal Caribbean, c'est les meilleurs. Il a l'air trop bien, regardez ce qu'il y a dessus. Ils ont l'air bien là-dedans. Bon, ça va, aujourd'hui, il n'y a pas grand monde à la piscine. Ah, on descend la chambre, on récupère un câble et après on trace. Ouais. Les marres baladées. Petit outfit of the day, Daddy. Baby Chou. Petite salopette. Très été, très summer vibes. Il a le hockey, Baby Chou. Et moi, c'est une petite robe comme ça, corail. Qui vient de chez Springfield. Voilà, voilà. Et les gars, on est arrivé à Napoli. Naples en français. Napoli en italien. On va voir ce qu'il y a, s'il y a des bus rouges ou des trucs comme ça. On va pas se faire arnaquer par eux là. Hein. No, thank you. You go up and down. The castle. Hello guys, good morning. Can I move in just 1 second? No, thank you. Là vous voyez en réel là. Thank you. Ah, il y a les trucs du bus là, on va aller voir direct le bus parce que eux ils vont nous vendre super cher alors que là les bateaux sont là. Aïe, on dirait qu'il est plus grand l'autre chérie. Regarde, oh, regarde, il y a un mur d'escalade et tout. Oh non, celui-là il a l'air meilleur. De toute façon c'est les Royal Caribbean les meilleurs, mais bon, prochaine fois on testera. Il est bien quand même celui-là. Ouais, il est bien le nôtre.
Mais j'aimerais tellement tester un Royal Caribbean, c'est un autre délire, quoi. Un peu à l'américaine, vous voyez. Alors du coup, ben là, on va en freestyle, hein, visiter... la place qu'il a en face. Et on ne veut pas se faire arnaquer cette fois-ci. Voilà. Donc on va visiter par nous-mêmes. Voilà, c'est ça les bus là-bas que j'aimerais faire. Bus tour, bus rouge, là. Tu vois? Comme ça, on se met là-haut et puis on visite tranquille. Mais on va aller voir c'est combien. Bon, les gars, ça y est, on a trouvé ce qu'on va faire. On va faire un tour avec un bus. Et celui-ci, on a payé 20 euros par personne. Il nous fait tout le tour, 1h40. Après, on peut descendre et monter à n'importe quel, quel bus. Ouais, à quel arrêt le bus fait. Donc voilà, parce que l'autre, c'était 26. Et puis bon, il y a le taxi qui a voulu nous arnaquer encore. Il nous disait, oui, moi, je vous fais 100 euros pour 2 heures. On a dit, non. Il dit, oui, mais c'est climatisé. Nanana. J'ai dit, on s'en fout, nous, on aime bien avoir chaud. C'est fini de se faire arnaquer par les taxis, les calèches. C'est bon, quoi. Donc là, 40 euros et on va faire tout le tour, voir les principaux monuments de Naples. Donc c'est plutôt cool. Un bébé chou, un baby. Oui, il est trop content. Voilà. Et on se disait tout à l'heure que le Odysseum of the Sea, il est plus grand que notre bateau finalement. Et c'est vrai que celui-là, à un moment donné, il était le plus gros bateau du monde. Hein. Donc voilà, là on attend, là-bas il y a un petit château. Et voilà, donc là le bus devrait arriver dans 15 minutes. Ça y est les gars, on est dans le bus. Ça va, on a le toit quand même, c'est plutôt pas mal avec les billes. Et là on va visiter du coup Naples. On voit pas notre bateau là d'ici. Ah non, parce qu'il est de l'autre côté, je crois. Ouais. Bon les gars, ça y est, on a fini la visite. On retourne au bateau. C'était sympa la petite balade. Bon, on n'est pas trop descendu finalement, mais... C'était plutôt pas mal, là, le temps dedans. Donc là, retour au bateau. On va aller manger. Voilà les gars, on est au buffet du midi. Les bichous, ils mangent. Voilà, ils mangent du pain. Donc moi, je me suis pris ceci. Des pâtes. Du riz à l'ail. Ça, c'est un travers de porc aux sauces barbecue. Ça, c'est du porc frit. Du poulet. Et du pain. Et voilà, bon app. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux descendre? Allez, descends, puis tu cours partout, là. Papa. Papa. Quoi? Mon amour. Oui, d'accord, tu veux courir. Allez, cours. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Il veut les bras, il veut les bras. Il veut les bras. Oh, il râle, bébé chou. Du coup, ben là, on s'est pris un petit cocktail. Moi, il est hyper sucré, mon cocktail. C'est une pina colada, sans alcool. Et puis là, je me suis trouvé un petit spot où on voit l'autre bateau.
Il est énorme aussi l'autre. Et genre, vous voyez ça là? C'est genre... je sais pas comment appeler ça. Mais en gros, ça fait comme un truc pour avoir la vue. C'est trop trop bien. En fait, moi j'aimerais bien faire un Royal Caribbean. Parce que c'est une autre vibes. C'est plus genre... coloré, caribéen, voilà. Quoi? On part? Bon ben on part alors. Allez, on y va, on bouge. Bon les gars, nous revoilà en vadrouille. On a donné une douche à Baby Chou. Et là, on descend. Thank you. Le secteur. Donc là, je disais, avant d'être interrompu, le Baby Chou, on lui a fait prendre une douche, comme ça il est bien, parce qu'il était tout collant. Et là, on va direction du spa. Donc eux, ils m'accompagnent au spa. Dites-vous que c'est des vrais champagnes avec des glaçons comme ça, disposés comme ça. Ici, c'est le bar à champagne. Il y a un bar juste pour ceux qui veulent boire du champagne. C'est fou, hein? Alors, ici, ce sont les restaurants. Donc là, il y a le restaurant de viande, il me semble. Là, c'est notre restaurant qu'on mange le soir. Le soir, on mange là-bas. Oui. C'est juste au-dessus de la... Vous savez, la place où il y a les... Là, c'est le restaurant de viande. Buster Cut. Mais bon, nous, on n'a pas envie de manger de la viande. Et franchement, depuis qu'on a fait le japonais, là... Oh, trop fan du japonais, là. Franchement, qu'est-ce qu'on s'est régalé. C'est vraiment le top du top, ici. Après, ici, vous pouvez manger juste des sushis. C'est Kaito Sushi, Sushi Bar. C'est trop beau, franchement. C'est magnifique. Et ici, voyons voir, on n'est jamais allé là. Studio, TV Studio Bar. Ah. Ouais, c'est un bar comme ça avec une télé. Trop bien. On n'est jamais trop venu dans ce bar. Là, vous avez un grand écran. Plutôt sympa. Donc le spa est juste là. Donc là c'est le spa là-bas. Vous allez où? Hello. Je reviens du spa. On m'a bien détendue. Je me suis endormie carrément dans le spa. C'est trop bien. Et du coup là on a quitté Naples. Nous sommes en mer. Là je sais pas ce que c'est devant. C'est pas la Sicile. Là il est 17h38. Alors, voyons voir. Ischia. Ischia, ça s'appelle. Bon, écoutez. Hein. Et là, on monte à Livourne. Prochain port. Et c'est pas loin de Pise. Vous savez, la tour de Pise qui est penchée comme ça. Et bien voilà. C'est pas loin de la tour de Pise. On aimerait bien aller à la tour de Pise et à Florence. On verra demain sur place comment c'est. Hey! Regardez quoi? C'est des bandes annonces que vous regardez. Bon les gars, je sais pas si vous allez m'entendre parce qu'on est au buffet et au buffet c'est super bruyant. Mais on avait envie de tester le buffet ce soir et c'est vrai qu'il y a pas mal de bonnes choses. Hein. Ça a l'air très très bon, moi je me suis servi. Alors attendez, je vous montre. Alors j'espère que je hurle pas parce que vu qu'il y a du bruit partout, alors je suis un peu en train de crier genre. Et là Baby Chou il mange. Voilà, il mange patates douces, poulet et riz. Et brocoli. Bravo. Il mange bien là. Hein, il mange bien. Hein, là, il mange bien. Et du coup, moi, j'ai pris. Alors, voilà ce que j'ai pris pour ce soir. Nous avons des gambas. J'ai pris de la purée pour lui. Un petit peu de purée là. Ah oui, il prend carrément comme ça. Mais Bichou, il veut pas manger avec la fourchette. Il veut que manger avec les doigts. Regardez. Je ne donne pas avec les doigts. Il veut pas manger. Donc, moi, j'ai pris salade de surimi. Ensuite, j'ai pris une viande. Je sais pas si c'est quoi comme viande, du porc. Ça, on dirait que c'est du rôti.
des gambas, du pain et des pâtes et du riz. Du riz pilaf et des pâtes sauce courgette. Et voilà, bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Super bon ça. Tu as pris quoi du coup? Gambas. Tout fruit de mer quoi. C'est bon. Hein? Petite ambiance de la noche. Très sympa avec les lumières. Il n'y a pas de fête ce soir sur le... C'est soirée calme. Ouais, mais si, il y en a une, mais c'est... Tu veux qu'on aille voir? C'est dans la galerie. On peut passer voir, qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est à 23h. Ah ouais. Ou à 22h, je ne sais plus. C'est l'avenue Grandiosa, là. Ouais, mais tu penses qu'on l'amène jouer quand même? Ah oui, alors c'est où qu'on l'amène jouer? Là-bas, c'est l'avant. Là, c'est l'arrière. Ah ben il faut qu'on monte là. Ok. Parce que là il y a la salle de gym, c'est en haut. Ah oui oui. Allez go. Allez. Tu sais, il va jouer un peu. Comme ça il va bien dormir le gosse. La soirée spatiale. Voilà, là-bas il y a de l'ambiance. Mais bon, je sais pas si on va trouver de la place.